Bienvenue sur C'est Our Way, votre magazine vidéo d'actualité. Au sommaire, la déchetterie de Nanterre vous ouvre ses portes. La piétonnisation de l'été de la place de l'Église a commencé le 7 mai. Retenez la date de la grande fête de l'écoquartier. Les déchetteries mobiles à Rueil, c'est terminé. Plus besoin de scruter nos calendriers en attendant leurs prochaines ouvertures et de laisser nos déchets s'entasser. En effet, depuis le 2 janvier dernier et grâce à un accord passé avec le territoire Paris-Ouest La Défense, vous pouvez accéder à la déchetterie de Nanterre. Pour y accéder, c'est très simple. Rendez-vous sur le site www.parisouestladefense.fr pour obtenir votre badge numérique gratuit qui vous permet 18 passages par an. Au-delà, un coût sera appliqué pour chaque passage supplémentaire. Sur ce même site, vous trouverez également les horaires destinés aux particuliers, comme aux professionnels, ainsi que les conditions d'accès pour l'année 2024. La déchetterie se trouve au 59 avenue des Guillerets, à Nanterre, et est ouverte tous les jours, sauf les dimanches après-midi, même les jours fériés, sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Rappel, la déchetterie de la rue Léon-Ourlier à Rueil-Malmaison reste ouverte de 9h à 18h tous les samedis. Le 22 juin prochain, de 11h à 18h, venez assister à la grande fête de l'écoquartier. De nombreuses animations pour tous les publics, une vaste offre de restauration sur place, dont des food trucks, la chorale Bethel Gospel Choir et bien d'autres festivités vous y attendent. Deux grands temps forts ponctueront ces journées festives. En effet, vous pourrez notamment assister à l'inauguration de la place Lynn Renault, en présence de Lynn Renault et de nombreux invités, et également à la pose de la première pierre de la Halle Gourmande, qui ouvrira ses portes en fin d'année 2025, en face du restaurant panoramique. Alors, notez vite cette date dans vos agendas, afin de ne pas rater cet événement d'exception, pour venir en famille ou avec des amis, afin de profiter d'une journée de convivialité et de partage. Pour la matinée du mercredi 24 juillet. C'est le jour du passage de la flamme olympique à Rueil-Malmaison. À mettre dès à présent dans vos agendas. Plus d'infos sur villederoy.fr. Le 28 avril dernier, le temple protestant au 32 rue Molière a obtenu le label Patrimoine d'intérêt régional, décerné par la région Île-de-France, en reconnaissance de la qualité architecturale du temple. Le mardi 28 mai prochain, participez à la course spéciale olympique. Départ à midi au stade Michel Ricard. Plus d'informations sur villederoy.fr. Élection européenne le 9 juin. Attention, cette élection est un scrutin à un tour seulement, alors surtout, allez voter. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à faire une procuration. Voter, c'est décider. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le prochain C'est Our Way.